Aujourd'hui, on a tous pour ambition d'éviter l'artificialisation des sols, reconstruire la ville sur la ville. On a aussi la volonté, en post-Covid, de développer des filières économiques qui doivent servir l'intérêt du territoire. Les bailleurs sociaux peuvent être des acteurs intéressants sur ces deux thématiques. Un, avec la régénération de leurs quartiers anciens construits dans les années 60. Deux, avec la reconstruction de quartiers qui vont tenir compte justement de ces ambitions en matière de carbone, en matière de réchauffement climatique, mais aussi en matière d'inclusion sociale, de mixité. Et à partir de là, on a vraiment besoin de mobiliser la totalité de la filière économique pour participer à cette dynamique, l'initier et faire en sorte qu'elle produise de la richesse à l'échelle du territoire.